Yo tout le monde, c'est Kendy Gold, on se retrouve sur Star Wars Battlefront 2 pour un nouveau gameplay. On est en frappe cette fois-ci, 8 joueurs contre 8 joueurs, réapparition limitée. Et là on est du côté des gentils et on va devoir, je pense, attaquer la base, les points ennemis. Ouais, il va falloir saboter les infrastructures ennemies. On est sur la station, enfin sur la base Starkiller. Et ouais, ni plus ni moins. Et donc j'ai repris du chasseur lourd, je suis maintenant plus de niveau 10, donc on a réussi, enfin j'ai réussi à améliorer mes premières cartes, à les upgrader grâce à mes points, tranquillou, et on va s'en refaire juste après, comme ça je vous montrerai ça. Et donc là voilà, je suis sur un rang de classe de niveau 15 les gars, donc on est quand même pas mal, donc un niveau de carte de classe, voilà, de niveau 15. À partir du niveau 15, on commence déjà à être dans une catégorie un petit peu plus au-dessus. Tu vas crever! Bon, je les ai touchés. Où est-ce qu'ils sont? Wouah! Wow, j'ai eu l'assist. Bon, il y a du monde, ça va pas être facile, il faut saboter tout ça. Au bout de 3000, je prendrai évidemment un guerrier Wookie, qui est vraiment une grosse base. Donc regardez, voilà, je suis au niveau 15, ça apparaît en vert. J'ai amélioré cette carte-ci, qui était tout simplement de base de niveau 1, que j'avais fabriqué grâce à mes points. Et on avait donc ce chasseur de prime, je vous l'avais montré, je pense. On remporte plus de points de bataille plus rapidement, je l'ai amélioré. Du coup, je suis passé de 14 à 15. Bouclier de combat, là, je l'avais droppé dans un pack de début. Et combattant, pareil. Donc voilà, on a vraiment deux bonnes cartes, là, je suis content de ce que j'ai pour l'instant, c'est pas mal. On peut faire ça vraiment avec toutes vos cartes, hein. Dès que vous êtes niveau 10, vous pouvez améliorer vos cartes niveau 1 vers le niveau 2. Ensuite c'est niveau 15 pour niveau 2 vers niveau 3. Et ensuite c'est niveau 20 pour tout le reste. Mais la progression des niveaux, ça je voulais vous en parler, elle est assez lente. Sans déconner, elle est vraiment assez lente. On a vraiment l'impression que le jeu va durer en multi très longtemps. Bon, là je me suis fait poutrer au passage. C'était magnifique. Et on a vraiment l'impression... Oui, je vais aussi vous montrer autre chose. C'est cette arme. Oui, la DC-15LE. Donc, grosse cadence de tir. Moins de dégâts. Deux fois moins de dégâts que la FWMB. Bon, moi, clairement, la FWMB, je la kiffe trop. Hein, je vous le dis tout de suite. J'ai rechopé en plus dessus un refroidissement automatique il n'y a pas longtemps avec les défis. Mais la DC-15 est favorisée pour ceux qui veulent une pétoire, mais pure et simple. C'est une vraie pétoire, hein, le truc. C'est une cadence de tir énorme. La portée, là, encore correcte. La puissance de refroidissement est énorme aussi, mais les dégâts sont tout petits. Malheureusement, c'est ça sa faiblesse, c'est vraiment les dégâts. Donc c'est reparti, et on va tester ça, donc la DC-15. Moi perso, je vous conseille la FW, c'est vous qui voyez. Moi je préfère sacrifier un petit peu de cadence pour du dégât. Clairement, ça fait beaucoup plus mal. Bon allez, let's go. On a quand même un petit truc à saboter, enfin plus que un apparemment. Allez les gars! Oh! Ça c'est une grenade par contre. Donc voilà le petit bouclier qui va bien. Et regardez comment ça mitraille! On l'a eu! Un incinérateur ennemi. Très bonne unité l'incinérateur. Moi je kiffe la jouer. Cette classe. Bon, on va essayer de la saboter du coup. À moins que quelqu'un le fasse à ma place. Allez, c'est parti! On sabote! C'est parti, on a saboté le chasseur. Je lance cette grenade. Ouais, ça va arriver en masse. Ouais, faut viser les pieds. Regardez, les dégâts, ils sont vraiment pas énormes. Mais on peut vraiment tirer à volonté, hein, comme je le disais, le taux de refroidissement il est assez correct. On a eu un vite fait. Allez. Grosse dispersion au niveau du tir aussi, j'ai remarqué. Bon, allez, on met tout dans la jambe là. On va se prendre la sulfate. Parce que j'ai l'impression que ça va arriver en masse de là. C'est bon. Il a pété le chasseur. Ouais, ça arrive. Ah bah. Voilà, donc on a gagné la manche. Mais c'est pas terminé. Donc la première manche est pour la résistance, mais ça continue, donc on a gagné, on avance, hein, prochain objectif, voilà. Donc plusieurs étapes scénarisées, on a réussi à choper 4000 points de bataille, les gars, bon on va les garder, je vais pas prendre de Rocket Trooper, je trouve ça pas très utile en réalité du côté rebelle, je pense. Bon en fait c'est pareil, hein, je crois, on a les mêmes PV et tout que du côté du premier ordre, mais je sais pas, j'aime
J'aime pas trop, c'est pas trop ma tasse de thé, pour ne rien vous cacher. Voilà, moi j'ai compris, il faut viser les pieds. Ça savait pas que je le savais. Hein. Ouais, donc viser vraiment les pieds, c'est ça la technique à adopter. Et donc on a vraiment l'avantage. Bon, il faut resaboter les chasseurs taille. Celui-ci apparemment ça va être fait, ouais, c'est bon. La cible bêta est prête à exploser. Faudrait essayer de les faire péter en même temps tous. Prends ta tronche toi. Oh! Wouah! Putain! J'ai failli crever. Je suis à fond dedans. Et sincèrement, je surkiffe le multi pour l'instant. Ah merde, on m'a pris de flanc. Bon, un truc qui est bien pété aussi, c'est s'accroupir quand on a le bouclier. Ça, c'est. Les gars, c'est un vrai massacre. Nombre maximum en jeu de guerriers Wookie. Oh! Bon, on doit aller. Question de jouer le Rocket Jumper côté rebelle pour une fois. Donc on a la 280 comme arme, on a le jetpack et on a aussi un lance-roquette. Donc exactement même capacité que de l'autre côté. Là, il n'y a pas de différence. Bon, il faut resaboter ce taille-là. C'est bon, c'est resaboté. Magnifique. C'est pas ouf. Je m'attendais quand même à mieux. Wesh! Oh l'enfoiré, il m'a dé... Oh putain, il était à côté. Il y avait un autre... Rocket Jumper juste à côté, il m'a mis sa roquette dans la gueule. Allez, guerrier Wookie, voilà, on en a un. C'est bon. Bon, bah j'ai repris, j'ai dépensé 2000 points de bataille pour que dalle du coup. J'aurais su ça avant. Bon, le guerrier Wookie, j'adore le jouer, c'est une vraie tuerie. Voilà, quand on vise, on tire à la verticale, il y a vraiment moyen de se faire ce qu'on veut. On a le détonateur, on a l'arc. On a l'arbalète laser furieuse qui nous permet de. Tout simplement, nous permet de gagner. En dispersion, on va l'activer. Ah voilà, apparemment c'est bon, c'est déjà gagné. Ça va très très vite quand on gagne. Ça c'est sûr. Pour la résistance. Oh, je suis dégoûté. Bon, le guerrier Wookie est très 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 pété. Bon, là on n'a pas pu le voir énormément. Donc la manche est gagnée, mais là je pense qu'on a gagné voilà la partie en fait, tout simplement. Donc on a fait ça comme il fallait, je sais pas c'est quoi mon score, on va tout de suite s'en refaire une autre. Voilà, 11 éliminations, 7 assists, 4 morts, série la plus longue, 1, oui bon ça c'est pas énorme. Et donc les défis, aucun réussi pour l'instant, donc on garde ça, on surveille ça. On est de nouveau sur Starkiller, mais on est de l'autre côté. Bah oui, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein. On joue d'un côté puis on joue de l'autre. Allez! Ouais, du coup, je suis resté sur la. ma nouvelle arme. Allez, ramenez-vous. Voilà. Et donc, regardez au niveau du refroidissement là. C'est vrai qu'il y a une bonne jauge, comme on dit. Allez, un en moins. On va garder cette porte. Bon, là, il a pris cher. Hein. Ouais, j'ai eu l'assist. Surveille mon bac parce que je pense que ça va arriver de mon bac. Ah, j'ai plus de. Ouais. Non, la grenade va me buter. Il n'y a plus de grenade. Non, ok. Allez, on récupère notre vie. On va se mettre là, tiens. Hop, c'est cadeau. Ils attaquent plus par là. Bon, pour l'instant, on est en train de bien les conserver. Et ils ont que 28 tickets de respawn, hein. Donc sincèrement, si on le compte, bien, il y a moyen de même pas les faire atteindre les tailles. Allez, sulfateuse. Oh là, on a mis cher un mec. Allez, un en moins. Bon là, par contre, j'ai pris cher d'un autre côté. On range ça. Allez, crevez, suce à la rébellion. Merde. Bon là j'avais un refroidissement manuel. Je me suis fait baiser. Bon mais au final c'est une très bonne arme la RT-15, hein, si je me trompe pas. Elle est sympa mais bon voilà, à longue portée, enfin à moyenne portée là du coup. C'est un peu de la merde. On n'a pas à se mentir. Oh, y a un mec derrière moi. Ah, fait chier. La rotation et quitter l'arme lourde, voilà, bah ouais, l'autre s'est fait baisser aussi. Bon, on a 2000 et des points. Oh, il m'en faut tout juste un tout petit peu plus pour l'incinérateur. J'ai vraiment envie de vous le montrer. Je vais me faire quelques points et je vais me suicider au pire. Voilà, tout simplement.
On va jouer sérieux. Et on va y aller. Les gars, je vais passer par là. Où est-ce qu'ils sont, les connards? Ah, ils sont toujours là-bas. Allez, hop. Ils viennent plus par là, mais bon, on peut pas y accéder. Hein. Nous, on peut pas bouger. La résistance a activé ses explosifs sur Alpha. Wouah. Bon, là, je peux me suicider au pire des cas. Allez, on fonce comme un gros malade mental. On n'est plus dans la bonne zone, mais ça en bat les couilles. Voilà, je suis mort en héros, j'ai essayé de me faire un mec. Bon allez, on va passer du coup en mode incinérateur les gars. Donc là, plus rien ne va pouvoir passer. On a du détonateur thermique. On a un lance-flamme les gars, mais qui fait mal, mais d'une puissance monumentale. Et du heal, au cas où ça tournerait un petit peu dans au vinaigre. Bon, ils ont plus que 10 tickets en face. Peut-être encore moyen de se faire quelques kills. Et voilà, un mec en moins. Un autre ici. Regardez la vitesse à laquelle ils crament hein. C'est assez rapide si vous leur mettez tout dans la gueule. Et je pense que plus ils sont prêts, plus ils prennent cher. Bon là j'ai pris un petit heal vite fait, mais je me suis quand même bien pris dans la gueule. On va lancer ça là. Hop, un autre. Allez, cramer. Cramer. J'en ai eu un. Plus que 4 tickets. On va les contenir. Bon, je suis mort. C'est le guerrier Wookie qui m'a eu. Allez, on y go. On va encore s'en faire, les gars. J'en ai rien à foutre. Bon, là, on a fait pas mal d'assists. Mais on meurt pas. C'est déjà ça le plus important. On a pu tester l'incinérateur. Que j'aime. Que j'affectionne tant. Mais en assaut galactique, il est vraiment pas mal non plus. Bon, là, prolongation. Oh le bâtard, il s'est barré avec un rien du tout comme vie. Je lance une grenade. Touché. Ah, c'est pas le même, c'est dommage, sinon il serait mort. Bon allez, je vais aller là, je vais contenir cette zone. Ah merde, il est déjà descendu. Explosif en charge au poids. Hop. Ça va sauter. Ah, il commence à revenir de là-bas. C'est parti, sulfateuse. Ah bah on a gagné. Bah voilà, tout simplement, ils avaient plus de tickets. Manche gagnée, il y en a une autre. Il faut encore une fois les repousser. Donc ça, ça fait plaisir. J'adore ça parce qu'en fait, on garde nos points de bataille entre chaque manche. Du coup, si vous n'avez pas su prendre l'incinérateur, surveillez ça, hein. Faites gaffe de ne pas prendre de perso qui vous coûte des points de bataille juste avant la fin d'une manche. Parce que alors là, vous serez baisé puisque vous ne pourrez pas le rechoper juste après. On va se repositionner. Une fois que vous connaissez les maps, et surtout en frappe puisqu'elles sont assez petites, les gars, c'est posé pour vous. Directement la sulfateuse. J'en ai rien à foutre. Montrez-vous. Moi je tiens, allez. Oh, c'est bon. Oh, ça par contre, aïe. Ah, grenade ionique, ça chatouille. Oh là, on a touché blindé de mec, les gars. Avec la petite grenade d'impact. Ouch. Ouais. Bon, ça par contre, ça fait mal aussi. Merci bien. Du coup, moi je suis chaud peut-être pour jouer commando. Ouais, non. Bah, par contre, je vais reprendre mon ancienne arme. Donc la DC-15, pardon, pas la DLT-15. Je sais pas pourquoi j'avais dit ça, c'est une autre arme. Donc la DC-15, elle est vraiment sympa. En frappe, elle fait son taf. Mais bon, moi je préfère, voilà, comme je vous l'ai dit, moins de un petit peu moins de cadence, plus de dégâts. Du coup, la FW est plus mon style. C'est vous qui voyez. En tout cas, je pense avoir trouvé ma classe. Hein. Le soldat lourd me convient parfaitement. Spécialiste et commando. Sinon, en second. Il y a un mec ennemi là qui vient de passer devant ma gueule. Ouch. Ok. Et voilà, regardez-moi ça, du dégât. Une cadence assez correcte, ça fait vraiment le taf quoi. C'est la base pour moi. Voilà. Oh. Et putain, je vois des grenades qui pètent de tous les côtés alors qu'il n'y a rien. Oh là là, le détonateur de Chewbacca, du guerrier Wookie. J'ai pas envie de me le bouffer. Wouah. C'est bon, l'a baisé.
Allez, petite série d'élimination. Oh merde, j'avais activé mon bouclier. Bon allez, on peut se faire un petit incinérateur. Non, il y a déjà un mec. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, comme on a fait de la merde avec le rocket jumper du côté rebelle, on va prendre le rocket trooper ici une fois. On va essayer de faire mieux. C'est difficile, hein, mais bon, vous avez vu qu'on avait réussi de notre côté. Il suffit de bien les contenir. Et donc là, on a la SC-44, si je ne me trompe pas, ou la SE-44 en pistolet, là. Il paraît qu'elle est assez sympa. Bon, voilà. Bon, là, il lui restait pas beaucoup de vie. Vous fiez pas sur ça. Détonateur détecté sur la cible bêta. Non, attendez. Oh. Je suis dégoûté d'une puissance, les gars, vous imaginez même pas. On va en reprendre un. Le pistolet est pas mal, mais je voulais aller dans le bouclier d'escouade pour éviter les tirs du mec. Je me suis fait baiser. Bon, il n'y a pas énormément de points de vie non plus. Hein. On l'a touché. Ouah. Bon, allez, je me mets directement avec ça, moi. J'en ai rien à foutre. L'escouade a recapturé la cible bêta. Allez, ramenez-vous. Je vous attends. C'est énorme. Le mec qui campe au lance-roquette. Oh ! Merde, j'hallucine. Voilà. Allez, on lui met tout. Ah, on l'a mis mid-life. Le guerrier Wookie, mais c'est même pas lui qui nous a eu. C'est un autre à l'autre bout. On reprend ça. Ils ont plus que 7 tickets. Ils vont faire péter un des... Ouais, merde. Ils sont en train de faire péter les deux. Ils sont en train de faire péter le deuxième chasseur. Ouais, faut vite y aller, là. Faut vite y aller. Ah, merde. Ouais. L'avant-garde du commando. One shot. Tout simplement. Ouais, ça c'est une vraie violence. Bon, ils vont bientôt... Ouais, c'est foutu, je pense. C'est foutu parce que là, clairement... En plus, à 4 tickets près, on gagnait, quoi. 3. Ouais, non, 2. Ouais, non, c'est perdu. Ils ont pété, ils ont fait l'objectif. À 1 ticket près, c'est incroyable. Manche perdue, c'est incroyable. À 1 putain de ticket près, quoi. Bon, bah du coup, ça continue. Ça fait 1 partout, manche décisive. Et là, les gars, ça va chier, des bulles carrées. Soldat lourd, oui. J'ai pas beaucoup de points de bataillon. Alors, on va se faire plaisir là en soldat lourd. On va se démonter quelques connards. Et il me faut mon flame trooper. Je n'abandonnerai pas, je veux le rejouer. On va se remettre au même couloir. Hop. Je t'ai vu, toi. Oh, oh, oh. Mais merde, j'ai balancé ma grenade. Je pense que je l'ai foiré. Bon, ils sont déjà passés. Voilà tout. Ils sont déjà passés. Faudrait essayer de vite les niquer. La question qu'ils aient plus de tickets. Faut pas les laisser poser, les détonateurs aussi. J'ai l'impression que je fais plus de la merde depuis que j'ai repris mon arme normale. Apparemment ça va, ils sont pas là. Nous ne devons plus du tout s'immiscer dans nos rangs. C'est moi qui vous le dis. On va tenir cette petite ligne au pire. Ah ouais, ils attaquent de dessus. Hein. Je sais pas où il est lui. Ah bah. Voilà. Oh merde. C'est intelligent ça. Hein. Ils ont fait un bouclier. Ils ont mis un bouclier des squads sur le détonateur. Il y en a un qui campe pas loin. Pour l'instant, on se fait démonter. Ils vont déjà avoir le premier chasseur taille, du coup, ces salauds. Bon, allez. Faut réagir. Et vite. On a quand même pas mal d'éliminations. 11 éliminations, 11 assists. 10 morts. Ouais. On a bien pris cher sur les derniers instants. Ils sont juste là. Non! Ouais, le mec là-bas, je l'ai même pas eu, quoi. Je suis dégoûté. Il est tellement low.
Bon, il faut essayer de rendre nos vies plus efficaces. Parce que une élimination en assist par vie, c'est bien, si je dis pas, mais. Là, c'est un peu chaud. Ah, il y a un flametrooper avec nous, nice. Ok. Ça va, je suis pas le seul. Ils vont faire péter le premier, ouais. Ils ont déjà fait péter le premier chasseur taille. Donc, ça, c'est déjà la merde. Bon là clairement on peut plus les laisser passer. Faut bien surveiller d'où ils vont venir. Allez. Attention, je lance une grenade. On se met bien comme ça. Ouais, je m'en doutais. Non. Non. Oh là là, mais j'ai fait. Il est d'une puissance. Bon, on a combien? 2000, ok, putain, toujours pas assez pour un petit flametrooper. Ils ont encore 15 tickets. Faut faire diminuer ça vite, faut pas les laisser poser. Parce que alors là, ils vont camper partout. Nous, on va les se mettre au chasseur taille. On va camper le chasseur pour vraiment les empêcher d'y aller. Voilà, on va se mettre là. On se met là, on surveille. Oh putain, mais moi cet ancien la visée, ça va vraiment pas. Encore une chance qu'il y avait le mec à côté. Du coup, toujours pas assez. Je suis à 2900 tout pile de points. Avec un petit peu de plus de chance, j'aurais pu prendre le flametrooper à 3000. Finalement, non. Allez, ils ont encore 8 tickets. Allez, là c'est largement faisable. Faut qu'on gagne. Il le faut. La défaite n'est pas un choix. Repoussez la résistance. La zone sera bientôt sous contrôle. Grenade lancée. Ça va arriver par là. 9 chances sur 10. Ah, il donne l'assaut. Ah. Putain, guerrier Wookie, ouais. Me disait aussi qu'il avait beaucoup de vie celui-là, sinon il serait mort depuis longtemps. Bon, j'ai assez de points, mais je peux pas prendre de flametrooper. Ouais, il y en a qui les prennent. Il y a un nombre limité. Bon, là, il n'y a plus que 2 tickets. Faut en buter 2. Et c'est gagné. Plus que 1. C'est bon. Alléluia. Nos chasseurs sont toujours opérationnels. Victoire, les gars. 2 à 1. Donc c'est un petit peu plus chaud. Mais on leur a quand même causé de sacrés problèmes. Donc voilà, c'est assez sympa ce petit mode frappe. 8 joueurs partout. Donc c'est assez agréable. Et donc voilà, on a gagné. Je figure pas dans le classement malheureusement. Mais on a quand même bien joué. Je dois dire, on a fait 28 éliminations. 14 assists, pardon. Et 14 morts. C'est-à-dire que je fais deux éliminations et un assist par mort. Voilà, en moyenne. Tout simplement. Donc on est niveau 10. On va tout simplement quitter les gars pour vous montrer un petit peu ce dont je vous parlais au début de la vidéo. Donc l'amélioration des cartes étoiles. Donc pour améliorer les cartes, on va dans collection. Vous choisissez donc la classe que vous voulez améliorer. Donc voilà, imaginons que là, bon là je peux rien améliorer. Mais je vais cliquer ici. Et voilà par exemple défenseur ici, où j'obtiens une petite quantité de points à chaque fois que mon soldat est touché. Je peux l'améliorer, donc ça demande donc des fameux points de fabrication. Un niveau de carte minimum de 7 requis en global, voilà, donc moi il est de 15, et alors un rang, donc moi je suis niveau 10 déjà, donc c'est bon, tout est requis, on peut améliorer, on confirme, et voilà, elle passe au niveau 2, et donc notre niveau de carte soldat lourd, évidemment, pardon, est passé du niveau 15 à 16, donc voilà, on peut évidemment les faire avec tout, même avec celle-ci. A vous de voir, par contre faites gaffe à vos points de fabrication, c'est assez rare, hein. Vous en chopez dans les packs coûtent cher et tout. Donc vraiment, vous fixez pas comme objectif de tout améliorer dès que c'est possible. Améliorer ce qui vous semble le plus utile, les cartes que vous préférez, parce que sinon ça sert à rien quoi. Donc on va vraiment voilà se faire ça, et je préparerai donc du côté commando, par exemple. Déjà je vais mettre ça, je sais pas pourquoi je l'avais retiré. Mais voilà, ici tout est déjà amélioré aussi.
Imaginons qu'ici, voilà, avant-garde recharge, donc version améliorée de l'avant-garde qui réinitialise nos capacités à chaque ennemi vaincu. Donc l'avant-garde, le gros gun là qu'on a, qui d'ailleurs m'a one-shot juste avant, on peut l'améliorer aussi, voilà, tout est requis. Et donc pour les cartes niveau 2, donc les cartes qui sont déjà niveau 2, donc vous voyez, rang 15 requis, et niveau de carte commando 15 requis. Donc du côté de mes cartes soldats lourds, où j'ai déjà le niveau de carte au-dessus de 15, ben voilà, je remplis déjà un critère, donc j'ai plus qu'à attendre d'être niveau 15 pour les faire passer au niveau 3. Donc ça c'est bientôt, je l'espère. Donc voilà, à vous de farm, de monter de niveau, et sincèrement vous aurez, les gars, les meilleures classes possibles. Et donc on fait ça avec les classes, mais on veut évidemment les faire avec tout, donc avec les exécuteurs et avec la totalité de tout ça. Donc ici voilà, je remplis donc le niveau 10, mais il me faut un niveau d'exécuteur de 3 minimum. Donc imaginons que je fabrique cette carte. La santé se régénère plus vite pour mon guerrier Wookie. Je l'équipe. Ah bah non, je peux pas encore. Il faut un niveau de carte de 5 et un niveau de carte de 10 ici. Donc imaginons que je fasse fabriquer ça. Déjà normalement je vais pouvoir améliorer certaines d'entre elles. Oui voilà, donc ici c'est bon, c'est déloqué. Mais il faut que je l'équipe pour l'améliorer, car déjà équipé, la santé se régénère plus vite. Ouais, donc je sais pas pourquoi je peux pas les améliorer. En tout cas j'ai tous les critères requis. Enfin bref, voilà. Donc c'est vous qui voyez. Au pire je vais tous les fabriquer, parce que les exécuteurs en fait, ce sont mes persos préférés. Tout simplement. C'est les guerriers Wookiee et les flametroopers, les exécuteurs. Donc voilà, là on débloque déjà un nouvel emplacement. Petite quantité de santé à chaque élimination. Voilà. Et je ne peux pas les améliorer, pourquoi, je sais pas. Bon bref, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Et donc voilà, pareil pour les véhicules blindés, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Système de réparation, là j'ai carrément rien. Donc voilà, je vais devoir peut-être en fabriquer un jour. Donc voilà, c'est tout pour ce gameplay les gars. On a découvert la frappe, les améliorations des cartes étoiles. On découvrira un autre mode de jeu certainement, les gars, la bataille spatiale, combats spatiaux, les escarmouches, un petit affrontement héroïque. Voilà, il y aura peut-être même des gameplays avec plusieurs modes. On ira évidemment se faire beaucoup d'assauts galactiques et de frappes, parce que c'est mes deux modes préférés. Et donc, on continuera de découvrir tout ce qu'on n'a pas encore joué jusqu'à maintenant dans les prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao !